Bonjour fidèles internautes et merci de vous abonner sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Bienvenue dans InfoSport. InfoSport. Cameroun, la première journée de la Super League Guinness féminin à Yaoundé. Le top départ de la saison 5 du championnat féminin a eu lieu le samedi 30 novembre 2024 au stade militaire de Yaoundé, avec un coup d'envoi du directeur marketing de Guinness Cameroun, Raoul Nana, accompagné par la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, Céline Eko, par ailleurs la présidente de la Ligue régionale féminin. Six matchs s'est joué lors de cette première journée. Ce sont les Amazones FAP Yaoundé qui ont reçu Vision Foot Association Academy en match d'ouverture. Le match s'est terminé avec un score de 2-0 à Yaoundé. But marqué par Linda Rosta, Ngachu, Degoué et Valérie Alisha Monadon. Du côté du stade de l'Université de Bamenda Bambili, Ita Mbong s'est incliné devant FC Eboloa sous le score des 2-0. Louvre Minprof est tombé devant Éclair FC avec 1-3 au stade militaire de Yaoundé. L'Équier FC a dompté Caïman Fille 4-0 toujours au stade militaire de Yaoundé. Au stade annexe numéro 1, Omnisport Amadou Aïdjo Yaoundé, Jaspor AC remporte 2-0 pour AS Awa FC. Et enfin au stade annexe Bépanda Douala, Authentic FC monte en puissance avec 3-2 contre 2-2 pour Cyclone FC. La femme du match est Bérénice Simone Azang. Elle reçoit la somme des 50 000 francs CFA de la part des Guinness Cameroun. Vraiment surprise, je suis très surprise. Vous allez vous donner le programme. Mais aussi grâce à mes coéquipiers, on a tout donné. On remercie aussi le coach, tout le staff technique de Amazon FAP. Comment on se sent? Je suis très émue, très émue. Je suis vraiment reconnaissante, merci. Suivant la réaction de Michel Mbouké de l'équipe perdante après le match d'ouverture au stade militaire de Yaoundé. Bon, comme c'est notre première fois, je ne peux pas accuser mes coéquipiers. Ce qui est sûr, le match prochain va se remettre, comme c'est notre premier match aussi. Qu'est-ce qui va manquer? Bon, la finition. Est-ce que vous pensez avoir tout donné aujourd'hui? Oui. On a vraiment tout donné aujourd'hui parce que c'est notre premier match et ça ouvre tout. D'accord. Et pour la suite, qu'est-ce que vous nous réservez? Bon, pour l'instant, je sais quoi dire puisque je suis vraiment épuisé. Bon, ce qu'il y a sur la saison va nous dire. C'était InfoSport avec Angéline Aïcha pour AT Communication depuis Yaoundé. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.